Joy Jonathan est de retour en Chine avec un quatrième album et sera notamment en concert à Pékin le 26 mai au Oao Live House, Beijing. Auteure, compositrice et interprète, elle enivre la scène française de sa pop délicate depuis plus d'une décennie. Elle entretient depuis ses débuts une notoriété à l'international avec la bande originale d'un épisode de la série Gossip Girl en 2010. En Chine, l'artiste se produit chaque année. En effet, elle nourrit une relation étroite avec le public chinois, avec plusieurs tournées et surtout des titres traduits en mandarin, dont son dernier hit, On, issu de son quatrième album, sorti fin 2018. Plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique divertissement de BigPlanet.com. European Union Film Festival revient pour sa 29e édition à Singapour du 10 au 19 mai à la National Gallery Singapour. Une programmation qui souligne la diversité et la créativité cinématographique en Europe. La France sera représentée par Rémi sans famille, réalisé par Antoine Blossier, avec Daniel Auteuil, Malôme Paquin, Virginie Ledoyen. Les aventures du jeune Rémi, orphelin, recueilli par la douce Madame Barberin, à l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitié, d'entraide, le mène au secret de ses origines. Plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique divertissement de BigPlanet.com.